On est parti pour 5 langages et leur avenir pour 2021. On commence par Python. Python est un des langages sur lesquels on a le plus de recul. La communauté est énormément présente. Elle a développé un tas de modules que vous pouvez réutiliser dans votre code. Donc avec Python aujourd'hui, on peut travailler sur toutes les stacks. C'est un langage qui est extrêmement facile à apprendre, qui est extrêmement simple pour débuter. Par contre, qu'est-ce qu'il est lent? C'est une vraie chèvre. Il a encore par contre un joli avenir devant lui, notamment grâce au EDD. EDD, c'est Event Driven Development. C'est une architecture de code qui permet de se binder directement sur les événements des services. Et grâce au cloud et à sa rapidité à scalabilité, on peut permettre à Python d'utiliser la force du cloud pour avoir un programme extrêmement performant. Voilà, donc notamment grâce au cloud et au scripting, Python a encore un bel avenir devant lui. Python est aussi extrêmement utilisé pour tout le calcul et la recherche scientifique. Sauf que Julia est un langage très récent et open source. Il affiche des perfs de dingue extrêmement proches du C. C'est un langage extrêmement facile à utiliser, dont la syntaxe est très simple et très proche de ce qu'on peut voir chez Python. Julia implémente des fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes pour la recherche scientifique. Je pense notamment au Multiple Dispatcher. Je laisse un lien dans la description si ça vous intéresse. Julia ne permet pas de développer ce qu'on a l'habitude de voir dans les projets informatiques, c'est-à-dire sur des stacks mobiles ou des stacks web. Il s'est vraiment spécialisé dans la recherche scientifique. Pour moi, Julia va détrôner MATLAB ou Python dans les prochaines années. Bref, Julia ne permet pas de faire grand-chose, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Restons dans les J avec JavaScript. JavaScript a explosé sur les dernières années, notamment grâce à Node.js qui a permis de lire et d'interpréter le JavaScript côté serveur. Les performances de JavaScript sont très bonnes, elles sont meilleures que Python par exemple, mais on n'est pas à la rapidité du C non plus. JavaScript a une gestion de l'asynchrone assez simple d'utilisation, notamment grâce aux promesses. C'est un de ses grands avantages. Il est par contre assujetti à l'échec. Il n'y a pas de compilateur. Il est lu à la volée, c'est-à-dire que si jamais il y a un bug quelque part dans le code, et ben vous le saurez uniquement quand l'interpréteur va lire le bout de code en question. Si c'est un langage qui vous intéresse, je vous conseille vivement de regarder le couple JavaScript plus TypeScript. TypeScript va vous permettre de compiler votre code pour faire des vérifications de types de données qui sont passées en paramètres ou récupérées en sortie de vos fonctions. Ça vous évitera un tas de tests unitaires et sécurisera votre code, notamment sur les types de données. Je pense qu'il a encore un bel avenir devant lui, notamment grâce à certains frameworks, typiquement Nest.js, qui est très à la mode en ce moment et qui permet de faire du server-side assez rapidement et scalable facilement. Let's go to Go! Go est un langage assez facile à mettre en place et extrêmement rapide. Par contre, il ne fait rien pour vous aider. C'est-à-dire que si vous avez besoin de parcourir un tableau, il ne va pas vous mettre à disposition un for each accessible vous permettant de le faire. Vous allez devoir le coder vous-même. Go est un vrai mastodonte. Il est utilisé sur d'énormes projets comme Kubernetes, Docker ou Terraform par exemple. Ce qui fait que nous allons encore le voir sur les prochaines années. Par contre, je ne parierai pas sur lui pour l'avenir. Il a encore un garbage collector, c'est un sous-système qui permet à Go de manager la mémoire, les entrées et les sorties, de la libérer en fonction des besoins du programme. Et ce garbage collector, il abîme un petit peu les perfs. Donc je pense qu'il va se faire détrôner par le suivant. Rust est une petite révolution à lui tout seul. Rust affiche des performances complètement dingues, très proches du C, parfois moins bien, parfois mieux. Il a une facilité d'utilisation assez bluffante pour un langage qui n'a pas de garbage collector. En effet, la mémoire qu'il va allouer et récupérer va être faite à la compilation. Sa vraie force, c'est Cargo. Cargo va vous permettre d'installer et de télécharger des modules développés par d'autres développeurs et vous allez pouvoir utiliser ces modules dans votre code. Cargo embarque le compilateur qui va gérer de manière sécuritaire toute la mémoire. Le compilateur est nazi au possible. Il vous oblige à gérer tous les cas d'erreur, sauf si vous le stipulez et vous le forcez à ne pas en gérer en utilisant le mot unsafe. Après le passage du compilateur, le programme ne peut plus vraiment crasher. Le thread en cours peut lancer un panique et donc crasher, mais les autres threads à côté, eux, continuent tourner. Ce qui fait de lui, je pense, le digne successeur du C, notamment sur les nouveaux projets. Concernant son futur, au-delà de remplacer petit à petit le C sur les nouveaux projets, j'ai hâte de voir ce que va donner le couple Rust plus WebAssembly. WebAssembly permet à des langages type Rust ou Go de builder dans un format de binaire compréhensible par WebAssembly. Et WebAssembly va lire ce binaire côté client sur votre navigateur, ce qui va radicalement améliorer la performance. On voit que Rust et WebAssembly gagnent du terrain.
Discord est passé de Go à Rust, Microsoft utilise du Rust, IBM est passé de Scala au couple Rust plus WebAssembly, ils sont passés de 300 millisecondes d'exécution à 20 millisecondes d'exécution pour le même programme. Dans l'avenir, Rust va intervenir sur énormément de projets qui ont besoin d'une grande performance. Et WebAssembly va devenir une référence au fur et à mesure des années sur le web. Par contre, comment va-t-on interagir avec ? Est-ce que c'est en développant directement en C ou en Rust et en faisant lire le binaire par WebAssembly sur le navigateur? Ou est-ce que ça va être en toute transparence pour les développeurs? Et c'est par exemple les grands frameworks type React.js, Angular.js, etc. qui vont migrer leur API vers du WebAssembly. Et donc, les développeurs vont utiliser du WebAssembly sans même le savoir, en développant directement dans le langage des différents frameworks. Et là, pour ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est terminé. Tout ce que j'ai cité est en description, en plus de certains petits programmes perso que j'ai développés si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt sur The News.